Rebonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, nous sommes actuellement le 19 novembre 2023 et il est 20h45, nous nous retrouvons ce soir pour jouer à un petit jeu d'horreur, je suppose, horreur, je devine, horreur, qui s'appelle Night Security, qui est de ce que j'ai cru comprendre des images, un jeu dans lequel on est un garde de nuit. Dans quel lieu? Je ne sais pas, en tout cas, on gère la sécurité. Et c'est la nuit. Night Security. J'en sais pas plus. Est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce qu'il y a des méchants? Est-ce qu'il y a des phénomènes paranormaux? Est-ce qu'il y a... Je sais pas. Je crois que c'est en vue FPS et qu'on peut se déplacer. D'ailleurs, j'y pense. Je le sens arriver. Je vais brancher ma manette. En tout cas... Waouh. Oh putain, mais elle a pris la poussière. Bonsoir YouTube, que ce soit sur la rediffusion, bonsoir YouTube à ceux qui nous regardent en live actuellement, mais qui ne peuvent pas parler, vous n'avez pas de chat et j'en suis désolé. Bonsoir Twitch, bienvenue. Bienvenue à vous. Vous êtes beaucoup ce soir, mais vous aimez bien les jeux d'horreur, je comprends. Moi aussi, je suis dans une certaine hype des jeux d'horreur. Et là, sur les semaines à venir, voilà, semaine prochaine et les semaines d'après, il y en aura. Chaque semaine, il y aura au moins un jeu d'horreur. Et ça, c'est fort sympathique. Merci Lia, Naissante, pour le tir 1, pour la première fois de toute ta vie. Double bienvenue. J'espère que ça va bien. Alors, bon. Oula, what the fuck, what? Mais c'est vachement gros ça. C'est ce qu'elle disait, attention. Non, la fenêtre est vachement imposante. Qu'est-ce que... Comment je peux faire pour la réduire? Ah! Ah! Putain, mais elle est vachement grande. Ok, c'est bon. Alors, ça, je vous mets là-haut. Bougez pas. Hop là, tout va bien. Hop là, parfait. Night Security. Alors, 2 secondes. Eh bien, écoutez, Night Security. Je pense que... On va... Alors, manette ou pas manette? Bon, là, ça commence mal, il n'y a pas manette. Nouveau jeu! Oula, ça, ouf, ça pue, là, l'écran de... Je suis fluide, ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être le jeu un peu fait à la va-vite, non? Un peu... Ouh, ça sent le jeu qui va planter, ça. Et ça sera pas ma faute. Évidemment, ce sera pas ma faute. Vous êtes sûr? Vos... Merde. Vous êtes sûr, vos données de sauvegarde actuelles seront supprimées. Ça tombe bien, je n'en ai pas. Ça veut dire ça, ça veut dire rechargement. Le jeu est centré, c'est-à-dire... Oui, ah non. Mais effectivement, le jeu est pas du tout centré. Comment t'as fait? T'es bon toi? T'es vachement fort en centrage. T'as une vision périphérique du truc, c'est formidable. Voilà, là le jeu est centré. Et puis voilà. Et si jamais le son est trop fort, j'en ai aucune idée. Allez, vous me le dites. Bon, est-ce que c'est fluide? Ah, d'accord, alors la, la manette, mais alors elle n'a aucune utilité. Waouh, alors chez vous c'est fluide, chez moi c'est pas foufou. Il y a des options, ouais. Je dois juste retirer... Le filtre VHS? Ah ouais, on va le retirer, je crois que c'est ça qui m'embête en fait. Oula. Oula, Non, il y a un espèce de... Oh là là, il y a... Ah, il y a une sac... C'est saccadé! Oh non, c'est catastrophique ça. Comment je peux l'enlever ça? Oh, c'est le moment où je vais couper... Je vais mettre en pause la rediff parce que j'en ai pour un quart d'heure. Hein. Recoucou la rediff, ça va ou quoi? Ouais, il m'a fallu un petit temps pour mettre les options comme il faut. C'est des très très gros Lego. Ça existe des Lego aussi gros? Putain, c'est le feu. Comment c'est? Comment on fait? Eh? Ah! C'est la vue? Ah d'accord, il y a des flèches pour regarder la vue? Ah d'accord. C'est une image. La bouffe, c'est une image JPEG. Elle est en 2D. C'est juste une image qu'ils ont posée dans le fond de la... Oh la honte. Oh là là, ça commence très mal. Oh non mais ça pue là. Et c'est ça votre super jeu là? C'est censé faire peur? Oui, effectivement, ça fait peur. Ah ça, je peux pas vous contredire. Hein. Je vais mettre la tête dans le frigo. Oh le gâteau! J'ai 7 ans. Bonjour. Je suis vachement grand pour quelqu'un de 7 ans. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas moi. Ah, j'aime bien la mise en scène en vrai. Quand tu cliques sur un truc, ça te met un petit plan là, un petit... hop là, on regarde sur le côté. Pourquoi il écrit OUO là sur les joues de chacun là? C'est bizarre là. Et pourquoi certains ils ont OK dans les yeux? Bon. Ça a l'air d'être un couple avec une petite fille. J'imagine que la petite fille devait... ouais, devait, je le sens. Je le sens arriver, c'est un jeu d'horreur. Devait fêter ses 7 ans. Ou va fêter ses 7 ans. Waouh, je ne vois pas la couleur de cette poignée. Ah, ceci expliquerait donc les jouets. Les jouets dans le salon. Bah écoutez, c'est énorme, j'ai très peur. Hein. Mais c'est énorme, ça doit être la fin du jeu là, je pense. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Ça pleut. Le ciel il pleure, il est triste ou quoi là? Ah, elle est née le 23 octobre, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, le 23 octobre. Happy birthday, le calendrier de Sheila. Gâteau, ballon, tout ça, tout ça. Eh, eh, oh. Eh, les ballons là. Eh, vous me prenez pour un fou quoi, les ballons là. C'est vraiment les ballons qu'il y a dans Diddy Kong Racing, je les reconnais. C'est les ballons de Diddy Kong Racing. Bon, il n'y a pas un screamer là, je m'attendais à ce qu'il y ait un screamer. Juste derrière moi en me tournant. Aïe, oh non, j'ai un truc dans l'œil. Je meurs. Attendez, je meurs un peu. Ah, je suis en vie. Alors. Mais attends, il est énorme ce calendrier, vraiment. Tu sais, ça existe les lunettes, hein. T'as le droit d'être myope, hein, on va pas te juger, hein. T'es pas le seul, hein. Qu'est-ce que je fesse? Comment? Alors. Je referme. Je rouvre. Je peux plus regarder le gâteau. Je peux m'en aller? C'est bon, j'ai activé le script là? Qui dit que je peux m'en aller? Oh là là, je suis trop nul à ce genre de jeu. Ah mais moi je croyais qu'on était... Ah mais putain, mais je peux ouvrir toutes les portes en fait. Ah mais pourquoi il y a plein de gens qui dorment chez moi? Mais vous êtes qui vous? Qui sont ces gens là? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui dort là-dedans. Ça c'est de la... ça c'est du plan. Ça c'est de la visibilité ça. Mais tu sais que j'ai peur moi d'entrer dans la... J'ai peur d'entrer dans la chambre. Oh le pipi room. Le caca room. Oh stylé. 2 rouleaux. Quand t'as la flamme d'en changer un, t'en changes 2 après. Bon, bonjour. Oh non, on peut se cacher dans le placard. Ah non, je me change. Ah d'accord. Bonjour. Un peu flippant ce genre de plan là, non? Je te regarde dormir pendant que tu dors. Attends, non, c'est pas ça la phrase. Je te regarde dormir pendant ton sommeil. Mais c'est un peu plus flippant ça. Bah écoute, dors bien. J'imagine. Voilà. Elle adore dormir avec le bruit de la pluie. Waouh! Quel enfant normalement constitué peut ne pas avoir peur d'avoir un ourson 2 fois plus large et 2 fois plus grand que lui-même. Bonjour! C'est ton anniversaire, c'est l'heure de te réveiller. Les plans sont un peu creepy. En mode... Je suis pas là. Oh, je me suis... Ça m'a endormi. Je suis quelqu'un de très influençable. Si je vois des gens qui dorment, je m'endors direct. C'est pour ça que je vais courir sous la pluie, histoire de me réveiller, tu vois. Sinon... Swixis, 29, merci pour les 3 mois de resub. Minrae, merci pour le prime. Bienvenue. Nami Swan, merci pour les 15 mois de resub. Aurore 55, merci pour les 30 mois de resub. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, ça conduit à droite ici? À part les Anglais, il y a quel pays là qui conduit à droite? 22 octobre. Agent de sécurité. 35. Pourquoi 35? Je sais pas. C'est peut-être le plus gros mystère du jeu. On le saura peut-être plus tard. Le Japon, ils conduisent à droite? Putain. J'ai pas souvenir. En même temps, quand je suis allé au Japon, j'avais pas mon permis, donc c'est pas le genre de choses que je vérifiais. Ça va, c'est toujours fluide. On est sur une grande map là, avec de la pluie et tout. Putain, c'est le genre de truc qui devrait faire cracher ma bécane, hein, mais au final, non. C'est fou ça. Il y a des jeux bien petits. Et il y a des jeux, ils s'appellent Five Nights at Freddy's Security Brush. C'est fou hein, la vie hein, quand même, hein, quand on y pense. Je l'ai vu. Hein. Vous allez pas me faire le coup de l'autre fois là, en mode ah il a pas vu, il a pas vu. Je l'ai vu. Je l'ai complètement vu. Bonjour. Oui, oui, commence pas à faire de la musique toi. Alors il est quelle heure? Il est 8h de l'heure, pointe vers 0h. Et pointe vers 0h. Ah c'est vachement précis ça. Oh mais je reconnais. C'est FNAF. On dirait que quelques personnes sont encore là. Et pour l'instant je devrais faire le tour et verrouiller les portes. En commençant par le premier étage. Très bien. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'ai perdu le contact avec Keigo Ochigi. Qui était au... Oh, il y a un gros boucan à ma droite mais je regarderai pas. Qui était auparavant agent de sécurité pour ce bâtiment. Il a probablement démissionné. Je vais compter sur vous à partir de maintenant. Cette compagnie a apparemment une règle interdisant toute heure... de supplémentaire au milieu de là de la nuit. Vérifiez l'horloge, le... Ah, c'est écrit en orange, alors du coup c'est important, du coup. Vérifiez l'horloge, le moniteur de surveillance et les détails de... Non mais arrêtez de faire... Eh, vous avez trouvé tous les bruitages possibles sur internet et vous les avez tous... Le jeu n'a pas commencé, hein. Stop, hein, c'est bon. Moniteur et les détails de sécurité alors, avant de faire votre tournée. Donc horloge, je l'ai vérifié, hein, c'est 0h. Moniteur de surveillance, on a vu qu'il y a des gens. Meilleure salutation de la part du responsable Yamamoto. Oh, la porte, elle s'est fermée. Alors que je l'avais pas fermée. Foufou, quoi. J'ai peur. Vérifier les alarmes d'incendie au fond des salles et verrouiller les portes. Éteindre les lumières. Oh non, mais il y a trop de trucs, je vais oublier. Ah, le chat, je compte sur vous. Je compte sur vous, là, pour m'aider, parce que je vais tout oublier. Éteindre les lumières dans les salles de bain. Seulement les salles de bain. Et si des personnes sont encore présentes, renvoyez-les chez eux. Ok, Eric Zemmour, en fait. Ça marche, on va faire ça. Bon, il y a quelqu'un là. Un peu flippant, le jeu, là. Hold. Non, mais, Nick. C'est quoi le gros bouton rouge là? Moi j'ai peur de ce jeu. Pas d'anormalité. Ah parce qu'il va y avoir des anormalités maintenant? Mais j'ai signé pour ça moi? Mais j'ai signé tout court moi? Aïe. Attends mais le but du jeu c'était pas de fermer toutes les portes justement? Parce que là je suis en train de me... Mec le tableau est blanc, commence pas à faire des trucs trop chelous. Oh, tu es le nouveau gardien de sécurité. C'est déjà l'heure. Je suppose que j'imposerai le reste à mes subordonnés demain. À bientôt. Tu es vachement droit. Ah. Pourquoi t'as fait un bruit métallique en me passant dessus? C'est... Tu passes à travers la porte, je l'ai vu. La porte, c'est pour les chiens. T'as qu'à le dire si je suis une chienne, hein, parce que c'est moi qui vais la fermer au final. Pas d'anormalité. Waouh, j'ai bugué sur le mot. Pas d'anormalité. Bon bah écoutez, on va tout vérifier. Bonjour, quelqu'un il fait caca ou pas là? Est-ce qu'il faut rentrer chez vous maintenant? Bon. Ça je ferme. Ça je ferme. Quoi? Quoi? Ah, il y a quelqu'un dans les conduits d'aération je crois. Il y a Mangueul. Ah oui. J'avais un job, hein, je l'ai pas fait. Mais arrête le jeu là, t'es sérieux? Tu fais des bruits trop étranges. Aïe, oula, what? J'ai peur, oui. Certes. Ça c'est par là où je suis entré. Donc... Mais il est trop sympa le jeu. Il ferme les portes pour moi. Regarde. Tu vois? Mais il est trop cool le petit jeu. Mais j'ai rien à faire en fait. Juste à éteindre les lumières, c'est ça? Il y avait quoi d'autre à faire après? Ah, j'ai déjà oublié. Non mais vraiment, hein, je suis fou. Vérifier les alarmes d'incendie au fond des salles. Bon, ok. Verrouiller les portes. À verrouiller. À verrouiller. Éteindre les lumières dans la salle de bain. Et si les personnes sont ici... On les renvoie. Ouh. Ouh. Ah ça on peut pas verrouiller tiens. Ouh. D'accord. On est à l'étage 1F. On avait dit qu'on se chargeait que du premier étage pour l'instant. Par contre le truc incendie... J'avoue, je sais pas trop à quoi il fait référence. Là, on peut pas la fermer. Oh. Bien. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici? Je sais pas, caché. Attends, et les portes intermédiaires, on... Faut les fermer aussi ou pas? Non, ça va. C'est juste les portes qui mènent aux salles qu'on ferme. Et voilà. Oh, la musique de la victoire! Ça veut dire que j'ai réussi. Bien ça. Et là je fais quoi? Je regarde le moniteur. On dirait que quelques personnes sont encore là. Pour l'instant je... Mais t'es sérieux? Tu les vois où tes personnes? Mais mec y a... Ah ça j'aime pas. Il y a 6 fois la même caméra à droite. Où tu vois qu'il y a des gens? Voilà, bah écoutez, c'est toujours la même heure. Hein. Oh, mais y'a un chien, ça y est. Oh! Oh! Qui fait ça là? Moi j'aime pas trop. Et je crois que j'ai pas dû vérifier toutes les. Merde. Ah, bah attends, c'est bloqué. mais d'accord, j'ai niqué le jeu. Je suis softlock. J'ai pas vérifié toutes les alarmes. Oh non. Oh non. 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 Non, monsieur le jeu. Ceux qui connaissent le jeu, je l'ai pété ou pas? Après il y a eu la musique. Attends, après moi j'ai eu la petite musique là qui m'a dit tout doute. Qu'est-ce que je fais? Boulot terminé, je rentre chez moi. Qu'est-ce qu'il disait d'autre le jeu là? Sur l'autre petite note. Vérifiez l'horloge, moniteur surveillance et les détails de sécurité avant de faire votre tournée. Voilà. Et à dire, on dirait que ces personnes sont encore là. Mais peut-être qu'il faut que j'accède à l'étage maintenant. Voilà, cet étage est fini, c'est trop bien, tout le monde est content. Il est censé y avoir un ascenseur quelque part. Hein. Je l'ai vu dans les caméras. Ça c'est la sortie. Ouais d'accord. Eh ben je sais pas. C'est BC. Ah. Ah d'accord, je croyais que c'était la porte de sortie ça, mais en fait c'est l'ascenseur. Waouh, il y a 11 étages. Oh ça va être vraiment la galère. Oh, oh my god. Eh c'est plus Five Nights at Freddy's, c'est Eleven Nights at Building ou quoi là? Oh ça va être long. Merci Anaïs Kim 22 pour les 43 mois de resub. Oh non mais si après il faut faire des allers-retours entre tous les étages. Oh la flemmasse. Bonjour, est-ce qu'il reste des gens ici? J'ai peur. Ouh c'est vachement sombre, j'irai pas. Bonjour les toilettes. Qui fait coca? Qui fait coca? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oh, l'agent de sécurité. Pourriez-vous laisser les lumières allumées? Je les éteindrai. Oh non, oh. Ça va pas? Bon d'accord, ok. Ok, j'ai compris, je repas... je reviens dans un quart d'heure, j'espère que t'as fini d'ici là. Mange des pruneaux. Alors, qu'avons-nous là? Bonjour. Y'a quelqu'un? Non, personne, j'éteins. Non, parce que... Ok. Après, à tout moment, le gars il devient un démon. Je t'avais dit de laisser allumer. C'est pas très cool. Je suis quand même colère. Et après, il me tue. Donc, non. La mort, on évite. Oh. Okay. Ah, bah, ok, nickel. On va se mater un animé ou quoi là? Alors là, il n'y a pas plus de gribouillis possible à l'écran là. Jean-Michel Pixel, hein, on est là. Ah, vous continuez à faire ça? C'est difficile. Bon allez, je m'en vais, bonne chance. Bah nickel. J'ai perdu un dans chaque œil. Mais ça valait le coup. Pas d'anormalité. Écoutez, ça c'est plutôt quelque chose qui fait plaisir. Et y a pas de gens. Donc oh. Ouais, j'ai dit un quart d'heure, je reviendrai dans un quart d'heure, je m'y tiendrai. On ferme ici. On ferme ici. Donc là c'est de là où j'étais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame. J'ai peur, mais madame du coup. Qu'est-ce que c'est? Pardon, je l'ai mal fait. Et qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai fait exactement la même phrase. Oh, êtes-vous peut-être... Vous êtes cool. Échangeons nos coordonnées. Bah, pourquoi il a de la boue sur les épaules? Ou alors c'est un bug graphique des cheveux? Je ne peux pas partir si vous ne me donnez pas vos coordonnées. Si. Ah, j'en suis certain même. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, cœur. Oula. Vous feriez mieux de ne pas m'ignorer, cœur. Je répète. Oula. Au revoir, cœur. R majuscule. J'ai cru qu'elle allait passer à travers le mur. Il part où après? J'ai pas aimé. Je me suis senti un peu brusqué, forcé, ouais. Pas fan. Alors, on ferme ça. Là, c'est bon. On peut pas le vérifier. On ferme ça. Bon, les toilettes là. Les gars, on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour les toilettes? T'es encore là? Je fais quoi? Le chat, c'est vous qui décidez. Je le fais ou je le fais pas? J'ai trop peur. Oh, j'en bave. Oh, je bave de peur. Qui a déjà bavé de peur? C'est nouveau. C'est un nouveau sentiment. Laisse-le, le pauvre. Mais ça va, hein, la lumière, c'est pas ça qui lui permet de pousser. Hein. C'est bon, hein, il a un téléphone, il sortira son flash comme tout le monde. Hein. Tout le monde me dit d'éteindre. Mais je peux pas. Plus de bruit. Plus de bruit. Je peux pas éteindre. La porte s'est fermée. Blague. D'accord. En fait, j'ai juste pas le choix, quoi. Bon. Je me casse. De toute façon, moi, j'ai eu mon tututut. Si j'ai eu mon tututut, alors c'est bon. Je sens arriver le jour où on va fermer les portes et quelqu'un va nous courir dessus. Bon. Mais si le jeu c'est que ça là, c'est chiant un peu, non? Si, c'est toujours la même chose. J'ai peur de ce moment là. Oh. Ok, y'a personne. Et c'est bon. Arrête. S'il te plaît. On va commencer pas par les toilettes, c'est un peu stressant les toilettes. What the fuck? Oh waouh, y'a moyen de... d'allumer la lumière ou vraiment on va se faire foutre, je sais pas. Pas d'anormalité. Ok, je suis ravi de le savoir. Y'a une télé. Chut, tais-toi. Tu fais trop de bruit toi. Le jeu qui est nul. Pour l'instant hein. Après ça fait que 20 minutes qu'on l'a lancé. Non, et vous voulez pas mettre moins de détails à l'écran là? Il y a un tiers de cercle, ok. Vous feriez mieux de les avoir terminés d'ici demain matin. Eh hey, oh, qu'est-ce que vous regardez? Eh, hey, vous m'écoutez? Le son s'est répété. Et puis après il y a eu du son d'accéléré. Y'a quelqu'un qui est apparu derrière moi entre temps ou pas là? Moi ça je le sens arriver hein. Évidemment je sors par l'extrémité comme ça j'ai une vue directe sur le couloir. Je ferme. Putain je veux pas y aller là-bas. Je veux pas y aller dans les toilettes. Parce que j'ai peur hein. Pourquoi? Parce que j'ai peur, ouais, voilà. Bonjour. Personne. Ok. J'éteins. Merci, au revoir. Pourquoi avez-vous éteint les lumières? Je vous ai demandé de les laisser. Attends, mais tu chies à chaque étage, mec? Mais c'est quoi ça? C'est un esprit? C'est l'esprit des chiottes, il est dans chaque étage, au même endroit. Et là j'ai essayé de faire une référence à Harry Potter, mais je me souviens plus comment ça s'appelle le fantôme dans les toilettes. Ouais j'allais dire Mimi quelque chose. J'ai failli dire Mimi Mati, et puis à ce moment-là je me suis dit, oula mais c'est certainement pas ça. Mimi Géniard, ah oui c'est ça. Ça va mon ref? Je m'approcherai pas. Non mais il va me bouffer l'ascenseur là. Ça y est, ils sont dit étage 3, on met tout ce qu'on a Défrayant. Allô? Une salle de classe? Bizarre un peu, non? Merde, je peux pas passer. Pas d'anormalité, mais je suis ravi. Le danger peut venir de n'importe où maintenant, sachez-le. Surtout des toilettes. Hein. Pout, 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 pout. Je me casse, je vais me faire bouffer par l'ascenseur là, ça va être trop bien. Ah ouais. Non, je me retournerai pas. Je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai très peur. Hein. Mais attends, si je reste devant, il va y avoir une infinité de... Oh, what the fuck. Oh, waouh, pourquoi tu mets la photo de quelqu'un? Oh, alors là, je suis effrayé par contre. Ok, ça c'est flippant, ça. Ok, ça c'est giga flippant, par contre. Ok, j'aime pas le jeu, en fait. Je suis pas fan. Oh non, je suis vraiment pas fan. On peut arrêter, s'il vous plaît? On peut arrêter de jouer, s'il vous plaît? Parce que je sens qu'il va y avoir quelqu'un là-dedans. Mais il y a des salles comme ça maintenant? C'est quoi ça? C'est nouveau, ça n'était pas avant. On peut arrêter de jouer s'il vous plaît? Non! J'ai pas de visibilité sur l'entièreté de la salle. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a quelqu'un. Oh, what? Pas d'anormalité, ok. Mais le jour où il va me dire, oula, anormalité détectée, mais je vais craquer. Je vais craquer mon slip ce jour-là, je vous le dis. Je veux pas y aller, moi. Parce que c'est proche des chiottes, hein, c'est pour ça que je veux pas y aller. Je n'ai pas encore fini de patrouiller, merde. Il y a quelqu'un. Bonjour, bonjour. Ça va ? C'est encore toi? Ah, c'est encore toi d'ailleurs? Mon patron me demande de terminer ce travail pour demain matin. Il n'y a aucune chance que je finisse tout ceci. Je n'ai jamais cru qu'il serait aussi difficile d'être un adulte qui travaille. Ils m'ont même dit de quitter le boulot à l'heure. Ils doivent se moquer de moi. Tu es le seul à savoir que je fais des heures supplémentaires et que je travaille dur tous les jours. Te voir me met de bonne humeur parce que ça veut dire que je peux rentrer à la maison. Alors je crois que je vais rentrer chez moi. À demain. Eh ben, au revoir. Vas-y, hein. Toi bien, mec. Putain, on voit rien. Le jeu est tellement sombre. Pas d'anormalité, c'est un plaisir. Oh là, il a pas l'air en forme, hein. Waouh, les... Les lampes fluorescentes clignotent. Il faut les remplacer, ou alors c'est signe qu'il y a un fantôme. Oui, ben laisse-moi. Pourquoi tu spoil comme ça le jeu, c'est bon? Non, mais les bruitages de bâtard. Je suis censé aller éteindre la lumière. Hein. Je vous l'avais dit qu'il y avait le fantôme des toilettes. Hein. Ah non mais là je suis terrifié. J'ouvre la porte. Je vous entends pas. Allô? Oui? Vous avez du caca sur le visage, ça va? Je vous écoute. C'est très bien. Je suis ravi. Peur. Mais quoi? Je fais quoi? Les mecs je suis obligé d'éteindre la lumière. Attends, est-ce que je peux ne pas éteindre la lumière? Mais j'ai pas eu la musique du tututut, on est d'accord? Non mais c'est bon, si elle m'agresse, je lui mets une boîte, on n'en parle plus, non? Le chat, qu'est-ce qu'on fait? Bah en vrai, s'il faut, le jeu il a des game over, et après si je meurs, il faut se retaper tout le jeu depuis le début du premier étage 1, et ça j'ai pas très envie, hein. Non, je vais aller... Je vais aller à l'ascenseur, moi je me casse. C'est bon, j'ai fait le taf. Je n'ai pas encore remplacé les lampes. Ah, oh, quoi? Je peux remplacer la lampe. Ah, si je remplace la lampe, peut-être qu'elle va partir. Ça va? La lumière fluorescente est sur le point de s'éteindre. Je dois remplacer les ampoules. C'est génial. Ah, dans le placard là-bas. Oh, il est là-bas. Obtenu une lampe fluorescente. Et là, elle est là, juste devant nous. Mais ouais, j'allais encore là. Bah c'est quoi ce bruit? Ah non, je croyais que c'était la porte des toilettes qui s'ouvrait. Vérifions. Verrouillons d'abord la pièce. Eh, verrouillons d'abord la pièce. Verrouillons quoi? Il y a une pièce que j'ai pas verrouillée? Ah, what? Verrouillée! Ça, je peux pas y aller. Verrouillée. Verrouillée. Bon, ça, j'éteins la lumière. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit verrouillons d'abord la pièce. Arrête! Mais ta gueule, putain! Verrouillons d'abord la pièce. Mais ça veut dire quoi? Que je dois aller dans les... Je dois vraiment aller dans les chiottes là? Mais je vais me faire buter, c'est pas possible. Mais non mais j'ouvre pas, évidemment que non, j'ouvre pas. Vous êtes fada. Mais jamais j'ouvre. Mais j'ouvrirai pas moi, je m'en fous hein. On éteindra le jeu avant j'ouvre hein. Oh mais putain, y'a rien d'autre à faire. Mais y'a vraiment rien d'autre à faire. Ah putain, mais y'a rien de... Non... Eh oh... Eh... Non mais y'a un truc à faire là-dedans. Non mais Non mais arrêtez là. Je vais pas ouvrir à ça. Je vais pas ouvrir la porte. Après c'est juste quelqu'un qui est enfermé dans la toilette et qui a pas dormi et qui a les yeux rouges, ça arrive. Hein. Ok, j'ouvre la porte dans 3, 1, 2, 3. C'est parti. Wouh. Oh, je vous raconte pas les couilles que j'ai eu de cliquer. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Vite, vite, vite. Oh mais chaque étage est pire que le précédent en fait. C'est horrible. Ah non mais on s'arrête là, c'est bon, le jeu est fini. J'irai pas plus loin. Y'a pas du tout de lumière. Y'a pas du tout de lumière. Oh. Wouh. Attends. Le jeu... Allô? Ok. Je peux pas me faire écraser par les portes s'il vous plaît, j'en ai marre. J'en ai marre de la vie. Ah mais ça, on est étage 5, on est même pas à la moitié du jeu, j'ai trop peur. Merci Rassassin, merci pour les 2 mois de resub, merci Miss Cat Animal Crossing pour les 3 ans de resub, bon anniversaire, merci Razox3 pour le Prime, bienvenue. Merci Unoti pour les 8 mois de resub. Merci Lola Little Popoto pour les 11 mois de resub. Et merci le Geek EV pour les 13 mois de resub. Merci pour ton Prime. Oh non. Je suis pas fan, non. J'ai pas envie. J'ai pas envie du cul là. Ouh. Non, il va pas, venez. Venez, on y va pas, on aura qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas. Il fait un peu sombre sur cet étage. Allons voir la salle électrique. Culé, ah oui, bien sûr qu'on va aller voir la salle électrique, elle est où? What the fuck? What the fuck? Le fusible est manquant. What the fuck? Et oh, le jeu là, c'est bon là. C'est bon le jeu, j'ai peur, c'est bon. Arrête, je sortirai pas de la salle d'ici parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont me sauter dessus là. Non, mais non, le jeu, tu peux pas mettre une porte rouge tout en face de moi comme ça. Genre la porte des enfers, au calme. Non, le jeu, tu peux pas me dire va là-bas. Oui, les fusibles ils sont ici. Viens les chercher. Non, le jeu. Non, le jeu. C'est quoi cette porte? Allumons d'abord les lumières. J'ai trop peur. Allumons d'abord les lumières qui me dit. C'est vrai que ça m'empêche d'ouvrir une porte pour regarder les caméras. Non mais j'ai trop peur. Ah! Ouah, mais genre, il y a du sang et tout. Mais la blague! La blague! C'est quoi ce jeu de fou? Pourquoi vous m'avez fait jouer à ça? Pourquoi je joue à ça? Mais je suis cardiaque, je vais crever moi. Mais non, mais je peux pas jouer à ça. Droit ou gauche, dans tous les cas, je regarde, il y a un truc qui me saute à la gueule. C'est plus que sûr qu'il y a un truc qui me saute à la tête. On voit rien du tout. Ouais, mais je vais aller là-bas. Hein? Ça vous dérange pas, j'espère. On voit un peu là-bas. Et là, on voit un peu ici. J'ai trop peur. Oh, j'ai tellement peur. Qu'est-ce que c'est? Une bâche. Je m'en fous, putain. J'ai trop peur de voir quelqu'un, genre un sourire, tu sais, un gros sourire dans le noir là, qui me regarde en mode. Ou la fille elle a les yeux rouges de tout à l'heure là. J'ai maxi peur. Oh du con. Oh mais ça va me sauter à la gueule. Je ne retrouverai jamais mon chemin, en fait. Mais jamais je retrouve mon chemin, c'est pas possible. Je suis perdu. Bonjour. Et là, en fait, t'imagines, il y a quelqu'un qui me suit en scred, là, depuis derrière. Je me retourne et il y a un gros visage derrière moi. Oh putain, il y a le fusible ici, c'est une blague. Mais dès que je vais le prendre, il va y avoir une course-poursuite. C'est sûr. Obtenu fusible. Non, j'ai trop peur. Dans ces trous là. Mais jamais je retrouve le chemin. Oh, genre faut faire le chemin et espérer pas tomber sur quelque chose, vraiment. Non mais à l'aveugle les gars, à l'aveugle. Vous vous rendez compte du délire qu'on est en train de faire là? Oh putain, il y avait quelqu'un! Et je vais y aller là-bas! Oui, j'y vais! Oh non! Fusible attaché. Ah! Pour du con! Mais putain! Mais c'est la meuf de Squid Game! Ah! 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 faire de l'entertainment sur Twitch et tout. En vrai, oh putain, j'ai tellement transpiré sur l'imanier. C'est tout mouillé. Casse-toi, tu veux quoi? Quoi? Te voilà, ta gueule. Les lumières ne se sont pas encore allumées, alors peux-tu aller activer 4 des disjoncteurs? Moi, je pars. Bonne chance avec ton travail. Non. Non, je veux pas. Waouh. Pourquoi tu pars par là-bas, toi, d'ailleurs? Pourquoi tu pars par l'ascenseur? Ok. Allumons d'abord les lumières. Mais Nick, en fait... Attends, les... Ils sont où tes disjoncteurs, là? Oh, il y en a un, là. On joue à Slender ou quoi, là? Allumons d'abord les lumières. Haha. Rire, le jeu, rire. J'ai chaud aux joues, tellement j'ai peur. Je me sens chaud des joues. Les lumières se sont allumées. La personne de tout à l'heure a dû partir. Je le confirmerai dans la salle de surveillance de cet étage. Tout le monde n'est pas parti. C'est bizarre. Pas d'anormalité. Génial. Ah bah je suis ravi. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Vous la voyez la blague ou pas? Au niveau du sol, vous la voyez la blague? Il y a du sang. Il y a du sang au sol. Putain mais... Ils sont trop forts pour faire que chaque étage soit plus effrayant que l'étage précédent. Ils sont trop... forts. Vraiment, trop forts. Chaque étage fait vraiment plus peur que le précédent. C'est trop puissant. C'est trop puissant, vraiment. Nous avons de la chance. Bon, grâce à... Nous pouvons tous partir plus tôt. Et elle assume la responsabilité pour tout. Mais que se passe-t-il si... démissionne? Quoi, ça serait gênant? Si elle le fait, je pourrais finir par lui en vouloir. Tu as raison. Allez, je me retourne, il y a quelqu'un? Je serais plus étonné. Ah, on va vraiment regarder les caméras. Oh, FNAF. Oh, il va y avoir quelqu'un qui va me regarder comme ça, la caméra. Ah merde, je l'ai pas fait. Coucou, ça va? Comme ça là, tu vois, d'en bas. Eh, hey. Je te vois. Non, j'essaie de faire de l'humour et de dédramatiser, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je suis pas bien. Bon là, ça va. C'est la caméra 5F. Ça va la 1F. Ça va la 2F. Ça va la 3F. Ça va la 4F. Ça va la 5F. Ton petit ami. Et quoi? Et l'agent de sécurité? Ah ouais, il est plutôt beau. Alors, je l'ai fait mien. Mais il ne sortait pas avec elle avant? Ouais, tout le monde sait. Enfin, sauf le harceleur de je sais pas quoi. Tu l'as pas, tu l'as donc pris de force. Quoi? C'est une très mauvaise manière de le dire. En fait, je l'ai convaincu. Putain, j'arrive pas à lire, ça va trop vite, sérieusement. De toute façon, elle n'était pas à la hauteur. Je suis plus charmante, donc c'était inévitable, n'est-ce pas? T'es une vraie diablesse. Les femmes sont plus populaires lorsqu'elles sont un peu diaboliques. Ah, qu'est-ce que c'était pas ça? Ah, je meurs, non! Le décès. Mais 3F, c'est l'étage 3? Oh, mais mon dieu, le visage du truc, il est juste en face de moi! Il est juste en face de moi, c'est ma porte! C'est là où je suis. Allô? Étage 5F. Attends, attends. 5F? On n'a plus accès à la 3F, on n'a plus accès à la 6F. Mais t'as vu l'image? T'as vu la gueule du truc? Attends, cam 5F, on est à quel étage? Nous, on est au 5, on est d'accord? On est à l'étage 5, on n'est même pas à la moitié. On n'a pas dépassé la moitié. Ok, c'est bon, ça va? Et donc 5. En fait, c'est des caméras de chaque étage. Ça, c'est étage 1, étage 2. Eh oui, parce que c'est le même endroit. Étage 2, étage 3, on l'a plus, étage 4. Et donc il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à l'étage 3, et il y a deux personnes qui sont enfuies de l'étage 6, dont une qu'on va retrouver au sol quand on va ouvrir l'ascenseur. J'ai trop peur. Non, là j'ai trop peur de ça. Non, là j'ai trop peur. Moi je pensais que l'étage il était terminé là. Que le niveau de peur il était fini. Non, j'ai trop peur. Il est plus là. Il est plus là. Oh, il est plus là. J'ai tellement peur. Ce n'est que le début. Ah ouais, mais je sais pas si je vais avoir les couilles de le faire. Je vous avoue complètement que j'ai trop peur. J'ai tellement pas les couilles. On va tout fermer là. Je vous rappelle plus. Si, ouais, non. Ah mais non, mais non. La blague, c'est qu'il y a du sang. Attends, je la fais mieux. Il y a du sang. Sang de la veine ou quoi là? Bon le. Fou. Non mais il est horrible ce jeu. Il est clairement horrible. C'est verrouillé. Hein? J'ai pas verrouillé moi. Non, j'ai trop peur. Oh putain, on se casse. Avant qu'il y ait le démon qui nous attrape là. Oh non mais là je veux pas. Hein. C'était trop pour moi là. Putain, il pouvait être dans l'ascenseur, tu sais, on sait pas. Oh, la machine à café, elle était renversée. Elle était tombée. La machine à café. Oh non. Oh non, c'est trop. Ah, c'est trop. Oh, j'en peux plus. Non, on va ouvrir l'ascenseur, il y aura quelqu'un. Ah non. Il faut que j'avance parce que sinon l'ascenseur il se ferme après. Arrêtez le jeu, je vous en supplie. C'est bon, j'ai fait plus de la moitié. C'est un challenge de ouf, votre jeu là. Mais c'est un jeu de malade. C'est un jeu de fou, votre truc là. C'est un jeu de fou, votre jeu. C'est bon, j'ai fait le défi. Essayez de pas avoir peur. J'ai eu peur, c'est bon, j'ai perdu. Allez, on va se coucher, c'est bon. Non, mais c'est bon. Si je lui tourne le dos. Elle a même pété. Je lui tourne le dos, elle me tue. Si je lui maintiens le regard, elle va me regarder d'un coup comme ça. Et genre, je vais en direction du sang, vous êtes sûr? Vous êtes certain là du move? Faut que j'écoute hein, si la porte s'ouvre. Hein. Pas d'anormalité. Pourquoi il n'y a plus la musique? Non parce que c'était bien la musique. Ok. J'ai moins peur là. Oh, j'ai des spasmes et tout tellement j'ai peur. J'ai des petits... J'ai des petits spasmes. Non j'ai trop peur. Y'a même pas de chiottes, what the fuck. Évidemment. Ah, elle est là. Je suis obligé de passer à côté, hein, d'accord. M'attaque pas, j'ai fermé la clé. M'attaque pas, s'il te plaît, je vais faire ma clé. M'attaque pas, je t'en supplie, je vais faire ma clé. J'ai pas les couilles de passer à côté de toi. J'ai pas du tout les couilles de passer à côté de toi. Je pourrais pas le faire. Hein. Je peux pas. Non mais elle attend que ça, que je passe à côté. Elle va me détruire. Hein. Y a rien qui va avec son corps là. Il est complètement tout cassé. On peut pas courir dans le jeu, ok? Vous avez besoin d'aide pour nettoyer? Je peux vous aider si vous voulez. Imaginez elle te fonce dessus. Elle me fonce dessus, game over, faut recommencer depuis le début, j'ai une excuse pour arrêter le live, c'est bon. Et on fait autre chose, on va papoter, on va faire un Gartic Phone, je sais pas mais... Quoi, c'est tout? Hein? Hein? C'est tout? Attends, je peux aller à l'ascenseur là? Vraiment? Elle va me buter si je passe à côté, c'est certain. Non mais parce qu'il y a pas d'autres pièces derrière moi là? Si, il y avait du sang. Ah oui, oui, il y avait des pièces et du sang. Non mais attends, je fais quoi là? Et puis la musique. Il y a plus la musique. Ah, c'est pas la musique. Au pire, je meurs en musique et c'est joli aussi, tu vois. Là, je dois passer à sa gauche, là. Je suis désolé d'avance, c'est un jumpscare, je m'excuse. Je pense que c'est ce que je dois faire, mais je sais pas si c'est ce que je dois faire. Il est où le bouton de l'ascenseur là? J'ose pas. Oui mais allez, tous les jours là, non? Il manque l'interrupteur. Oh la blague! Non! Ben nique en fait, c'est bon, à un moment donné, moi je... C'est l'étage quoi là? Étage 7? Il y a le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, il y a encore 5 étages. Oh, mon dieu! Il y a encore 5 étages! Mais il est horrible ce jeu! Mais le créateur du jeu, il est complètement fou! En plus, j'ai vu qu'il en a fait plein des jeux d'horreur. Merci Skitty Stars pour les 4 mois de resub. Merci Chocapix99 pour les 9 mois de resub. Amberfly42, merci pour les 15 mois de resub. Mais la fin IRL, c'est sûr que moi, la fin IRL, il y a quelqu'un qui débarque là derrière. Il y a la meuf de ménage qui sera juste là IRL. Je vois pas d'autre explication de comment le jeu peut faire plus peur que ça. Je suis au paroxysme de la peur là, et on est à l'étage 7 sur 11. Ok. Mais mon cœur, il bat tellement vite. Franchement, je mentirais pas si je disais que là, avec juste ce stream, j'ai perdu une semaine de vie. C'est ça. Et le jeu me stresse tellement que j'ai perdu une semaine de vie. Je mourrais une semaine plus tôt que ce qui était prévu à la base parce que mon rythme cardiaque était trop... J'ai trop le cœur qui a battu ce soir et il m'a bouffé une semaine de ma vie, c'est certain. J'ai trop peur, ok? Je clique pas, je veux pas cliquer. Le jeu en VR, t'imagines? Oh putain! Oh putain! Oh putain! Faut que je me calme. Il manque l'interrupteur! Il pourrait se trouver quelque part. Quelque part, cherchons-le. L'étage 7! Oh putain, il y a des intersections on dirait. Ah non, il n'y a juste plus de machines. Plus de distributeurs, plus d'imprimantes. Rien que dalle. Oh, c'est une scène de crime, hein, je le sens. Pardon? Attends, c'est son visage ou c'est... Mais qu'est-ce que... C'est censé représenter quoi ça? C'est quoi cette histoire là? Ouais d'accord, bah jamais je vais là-bas, du coup. Oh, c'est un pantin! Ah c'est pas un humain! Oh c'est un putain de pantin! Oh non c'est horrible! Oh putain il y a un poster du pantin là, regarde! Oui salut là, c'est moi le pantin! Nanana. Oh le flip! C'est bien plus flippant que la femme de ménage ou juste... Là c'est un pantin, c'est pas... c'est un... Oh non, ça c'est horrible de jouer avec ça. Ça c'est un trauma, ça. Ça c'est une vraie phobie, ça, pour moi. Les poupées et tout ça. Ah, oh, je suis trop mal de ça. Oh, je suis... Est-ce qu'il va se téléporter à chaque endroit où il y a une échelle? Oh putain, son système d'apparition, c'est ça, c'est les échelles. Quoi? Grimper? Laisser faire? Hein? Pourquoi faire grimper? Oh putain! Oh putain, je peux aller dans le plafond? Oui, jamais je fais ça. Non, je vais me retrouver nez à nez avec le pantin. C'est plus qu'évident. Y'a pas quelqu'un. Mais c'est quoi ce bâtiment de ouf? Personne l'a rénové à un moment donné? Enfin, personne s'est dit, tiens. Non. Oh, je peux y aller. Oh ah Pardon d'avoir crié. Désolé, ça fait super peur. Il va m'attaquer ou pas? Je sais pas. Oh putain. Oh là là. Bon, c'est bon. Oh, je peux plus. Je peux pas jouer à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Non, je veux pas. Je m'en remets. Ouf. Non mais il est mignon après, il a l'air sympa comme tout. Bonjour. Coucou. Ça va les copains? La forme, tout ça là? Et vous bougez pas, on dit... Oh non. Et qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Pourquoi je me suis dit tiens je vais venir là? C'est sûrement sympa d'être là. Il se déplace pas. Oh merci de pas vous déplacer pendant que je vous regarde pas. Et on peut se balader dans le plafond. Et c'est quoi le jeu? Y'a plus de trucs d'anomalie, y'a plus de lumière dans les toilettes. Wow! Donc très clairement j'entends quelqu'un qui marche, voilà, très clairement, et voilà. Putain, ok ils sont encore là-bas. Mais what the fuck, ça sert à quoi de venir là? Mais je veux pas y aller là-haut. Mais je veux pas y aller là-haut, s'il vous plaît. Je veux pas y aller là-haut. Je veux pas grimper. Je vous en supplie. Je veux pas... Je vous en prie, je veux pas monter là-haut. J'ai tellement peur. Je sens plus, j'ai plus le contrôle de mes bras, je sens plus, j'ai plus rien dans les bras là. Mes bras ils sont tout comme ça là. J'ai plus de force dans les bras, ils sont tout mous. Je me laisserai tomber, tu vois. non, j'ai pas de couilles. J'ai tellement peur. Bouygues Télécom, s'il te plaît, fais une panne de réseau, je t'en supplie. Coupe-moi Internet, je t'en prie. Je veux plus. Il reste 5 étages. Je m'en fous, je bouge pas tant qu'il n'y a pas une coupure de courant ou la foudre qui s'abat sur l'appart, j'en sais rien. Oh, on n'entend pas mon cœur qui bat. J'ai un peu peur. Je suis un peu effrayé. Oh, j'ai les chocottes, con. Eh, ouais, on n'entend rien, je l'ai vu. En vrai, l'étage de la femme de ménage, il était vachement sympa. Putain, on a fait un bond dans l'horreur. Je vais te dire un truc que j'ai appris avec les années sur Twitch, c'est que pour qu'un live soit intéressant pour les viewers de Twitch en général, pour qu'il soit intéressant, pour qu'il soit attractif et qu'il donne l'envie de toujours rester, il faut que le streamer soit toujours au taquet et qu'il n'y ait pas vraiment de pause dans le stream, d'accord? Il faut toujours que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, d'accord? Pour te faire comprendre que je suis pas un acteur en mode je fais semblant d'avoir peur et on fait des pauses de 10 minutes histoire de mettre une ambiance. Non, c'est juste que vraiment je sais pas quoi faire de plus en fait. Je suis trop effrayé. C'est contre-productif, mais je suis giga effrayé. Oui, j'essaie de gagner du temps. J'ai tellement peur. Je veux plus jouer. Ah, faut que je me lève un peu là, faut que je m'étire. Faut que je m'étire un peu là. Je suis pas bien. Ah, je vais tomber. Oh non! 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 Hey, ça va ou quoi? Je suis au fond du trou. Il reste 5 étages. Je me mets à genoux, je veux m'arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux m'arrêter. Oh putain. je crois que j'aurais moins peur à genoux. Parce que je suis dans la position du pitié, ne me tuez pas. Je crois que j'ai moins peur de jouer dans ces conditions. Elle est où ma souris? Elle est où ma souris? Je peux plus jouer. Attends, comment on fait? Ah oui, c'est comme ça. J'ai une phobie, j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'y arrive pas. À chaque fois je me dis je vais le faire, c'est bon. S'il faut, il n'y a rien. Le plus dur est passé. Vous voulez pas qu'on joue au jeu sur YouTube? C'est-à-dire qu'on le regarde en let's play le jeu et c'est bon, on n'en parle plus. J'ai mal au genou. Bon, je prends mon courage à 150 mains et je clique sur grimper. Et je peux pas me déplacer, je peux que regarder. Je cherche les touches de l'ascenseur, c'est ça le délire? Et genre si je baisse la tête, genre... Dans les récompenses de points de chaîne la chaîne Twitch, il y a la récompense, vous gagnez l'âme de Farod. Je vais la retirer, cette récompense. Vous ne pouvez plus la gagner. L'âme, elle s'est barrée là de mon corps. Je le sens, je l'ai senti là, pendant que je t'allongeais, j'ai... Elle est partie. Je suis mort. Je suis plus là les gars, c'est fini. J'entends mes chats qui miaulent à côté, c'est trop peur. Ne descends pas tout de suite. Je vais être obligé de descendre. Hein. Au moins, quand je suis dans le menu de grimper ou pas grimper, j'ai l'impression que le jeu est figé. Tu vois, il n'y a rien qui pourra m'attaquer, me faire du mal. Hein. Non, c'était pas la femme de ménage. Elle avait pas les jambes dénudées. Elle avait une longue robe, on voyait pas ses jambes. C'était pas elle, je suis désolé, c'était pas elle. C'était pas du tout elle. En fait, tu sais que j'ai pas encore bien compris si dans le jeu on peut se faire tuer ou pas. Et c'est ça qui me fait flipper, de savoir est-ce qu'il y aura à un moment donné dans le jeu un gameplay où il faut que je fuis, faut pas que je me fasse attraper, tu vois ce que je veux dire. Et là par exemple, est-ce que je peux m'esquiver des jumpscares par exemple si je trouve une touche juste en face de moi, je la prends et j'essaye pas de faire le tour ou de regarder au plafond parce qu'il peut y avoir une grosse tête qui me regarde ou regarder trop à mes pieds, tu vois. J'ai tellement peur. Mais j'ai tellement peur. Wow, 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 c'est quoi ça en rouge à droite là? C'est quoi ça? En fait, il était impossible de l'esquiver celui-là. Mais imagine si j'avais tourné la souris vite. Je suis fou, je suis fou. Je prends le temps de regarder s'il n'y a pas un truc. Je me sens plus en sécurité en haut, la tête dans le plafond, qu'en bas. On va récupérer deux. Il y en a deux autres encore. Je suis sûr que quand je vais descendre, le personnage, il sera dirigé vers l'angle du mur. Il sera pas dirigé vers les portes, on voit l'encadrement, on voit qu'il n'y a personne, non. L'angle du mur, et c'est moi qui vais devoir me retourner après. Ah non, c'est pire ça. Je dois monter sur celui-là. Ben oui, je dois monter sur celui-là, évidemment. Bien évidemment que je dois monter sur celui-là. C'est très dur. C'est très 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 dur. Je sais pas si on fera un étage de plus. Là, je me donne à fond, mais... Si le jeu... En plus, le jeu, il est long. J'ai vu sur YouTube qu'il se finissait en 4h30, un truc comme ça. Enfin, je crois, ou alors c'était une mauvaise vidéo. Je peux toujours vérifier. Ouais, vas-y, change de sujet, là. Fais une pause de 5 minutes, gratte du temps encore. Oh, il est minuit. Oh, c'est l'heure de... d'aller dormir, parce que demain, école et tout. Night Security, Walkthrough. 45 minutes. Ah ouais, d'accord, ils le font super vite, ça. 55 minutes. 1h14. Ah non, ils le font super vite, en fait. Et si je tape... rediff. Le mec qui l'a fait en stream. Amine et Billy, ils l'ont fait en 1h30. Ils l'ont fait en 1h30. Je suis à 1h14 et j'ai trop peur. Il y en a, il a fait en 1h. Oh putain, il y a William qui a joué il y a 2 mois. Il a fait en 1h. Nao, elle a fait en 38 minutes. Yeah. Bon, ça va, au moins je suis rassuré, ça dure pas 4 heures. Comme ce que je croyais. Mais quand même, je vais grimper. Je vais grimper le P du cul. Je suis sûr que quand je vais baisser la tête, il me regardera le pantin qui est en bas. C'est sûr, 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 c'est sûr. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. En fait, je suis tellement flippé que j'anticipe tous les scénarios possibles et en fait, j'arrive à me spoil. C'est la strat! C'est la strat de ouf! Ce spoil! Mais oui! Quand t'es spoilé, t'as plus peur si tu sais ce qui va y arriver et que t'en es sûr et certain que ça va arriver. Bah, t'as pas peur, du coup. Bah, j'ai pas peur. C'est bon, moi, je sais qu'il me regarde. C'est bon, j'ai pas peur. Tout va bien. Et lui, je passe devant, il m'attaque. Il fait bouah comme ça à l'écran, t'imagines? Je me spoil. Il va me faire comme ça à l'écran, ça va faire un... Et c'est bon, je suis prêt. Allez, tu peux m'attaquer, j'aurais pas peur. Je crois. Ah! Il est où? Eh? Non, 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 non. C'est pas le bon. Il y a d'autres toilettes. Ah oui, ça va. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu peur. Oh non. J'ai cru qu'il n'y était plus. J'ai cru qu'il n'y était plus. Il y a un pantin qui me regarde quand je vais descendre. Il va y avoir un pantin dans l'encadrement de la porte quand je vais me retourner. Tu sais, tout à l'heure je disais, ouais c'est chiant le jeu, le perso il court pas. Je trouve que maintenant le perso il va trop vite. Tu vois, je fais des petits à-coups. Impossible d'aller... Et là, l'ascenseur il va s'ouvrir d'un coup, il y aura un pantin. Avant que je mette les touches. Je m'en fous, hein. je suis pas le fou à regarder la porte, voir si quelqu'un m'attaque. Jamais je fais ça. Jamais je fais ça. Il a esquivé le jumpscare. Mais oui, c'est la strat de si je le vois pas, il me voit pas. Si je le regarde pas, il n'existe pas. Ah non, 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 mais je joue plus au jeu en mode faut faire peur aux viewers et je sais pas quoi, et ils sont là pour se... Non. Ah, c'est fini, moi je regarde plus, je joue avec les pieds dans le sol là, enfin la tête dans les pieds. Hein. Merci Andy Nishishi pour les 11 mois de resub, merci SMGB, Zach Bros pour les 21 mois de resub. Hein. Merci Maëline, RLT pour le Prime, bienvenue. Merci Snoozing4 pour les 2 mois de resub. Merci Sarah Tata7 pour les 3 mois de resub. Merci Lucas Lafripouille pour les 7 mois de resub. Merci Skitty Stars pour les 4 mois de resub. Merci Chocapix99, merci pour les 9 mois de resub. Tu m'étonnes que j'ai vu une rediff sur YouTube de quelqu'un qui a joué au jeu pendant 4h30. Tu m'étonnes s'il a la même strat que moi de reprendre son souffle pendant 3 quarts d'heure entre chaque étage. Mais je vous jure, là, je vais crever. Mais j'ai perdu trop d'espérance de vie là ce soir, hein. J'ai trop donné, et je vous donne beaucoup là, j'ai pu... Arashi02, merci pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Je compatis, ça fait bien peur, j'aurais pas passé le niveau avec le fantôme. Ah ouais, celui-là il m'avait mis trop mal le niveau avec le fantôme là derrière la porte. Avec les yeux rouges, c'était vraiment pas bien. Mais tu sais que j'en suis à me demander si j'ai bien fermé la porte à clé chez moi. Je vais vérifier. Oh non, j'ai peur! Putain, y'a personne chez moi, c'est tout noir, j'ai peur! J'ai trop peur! Il y a tout qui sort en moi. Je vis seul. Il y a tout qui est éteint. Il n'y a pas un pet de lumière à part ici. Je devais aller à droite ou à gauche, j'ai eu trop peur de regarder des deux côtés. Je suis juste allé à l'aveugle sur la poignée de porte. Mais j'ai déjà eu aussi peur que ça dans ma vie, sur un jeu. Tu sais, je commence à avoir la migraine tellement j'ai peur, là je le sens, je manque d'air et tout. Mais il est incroyable ce jeu. Mais en fait, dès que j'ai compris que chaque étage allait faire plus peur que l'autre, et dès que j'ai eu la peur de ma vie à l'étage 4, je savais que j'allais mourir. Nous sommes actuellement le 19 novembre 2023. Et c'est aujourd'hui la date de ma mort. Ouh, on est tous témoins, on est là. Pff, non mais j'en aurais fait des belles choses dans ma vie. Et qui de saint d'esprit il joue à ce jeu là? Eh mais tous les gens que j'ai vus là, qui ont joué au jeu là, Wei Long, Amine et Billy, tout ça, ils les ont finis le jeu? Ils ont fini le jeu ou ils sont arrêtés avant parce qu'ils se chiaient trop dessus là? Alors non, je vais pas le faire rembourser le jeu. Alors là, s'il y a bien un jeu qui mérite sa thune, hein, c'est lui. Parce que lui, vraiment, vraiment, allez, ça marche. La peur, ça marche. Là, j'ai payé, mais alors là, j'en ai eu pour mon argent. Ça marche. Hein. Et vous avez le filtre de luminosité. Je tiens à le préciser et à le rappeler. Moi, je l'ai pas, le filtre de luminosité. Ça veut dire que je vois moins bien. Je suis plus dans le noir que vous quand je joue, moi. Il coûte combien? Je sais plus. Je crois qu'il coûte 7 balles ou 9 balles. Je l'ai acheté juste avant le début du live. Je viens de voir le jumpscare de l'étage 7. Ils sont en cercle. J'ai pas vu. Tu peux reposter ton message, s'il te plaît? Le problème, c'est que j'ose même pas sortir la souris du jeu pour cliquer sur le chat et remonter. Tellement j'ai peur qu'il peut se passer un truc à l'écran si je bouge ou que je fais quoi que ce soit. Je viens de voir le jumpscare de l'étage 7. Ils sont en cercle devant l'ascenseur. Et ils essayent d'ouvrir quand tu fermes. Ouais, bah, je suis trop content de pas avoir vu ça. J'ai vu le screamer de la poupée, il est horrible. Oh, je vais le regarder. Je vais le regarder. J'ai pas de force dans les doigts. J'ai essayé d'attraper mon téléphone, j'ai pas réussi à le soulever. Je n'ai plus de force dans les doigts, dans les mains. Tellement j'ai peur, je suis tétanisé. C'est ça? C'est ça, être tétanisé par la peur? C'est nouveau, hein, parce que je connaissais pas ça. Hein. J'apprends un truc. Hein. Night Security 7F. Jamais je mets le son, évidemment. Ça va de soi. Je vais aller regarder chez William. Ouais, mais William, il est trop chaud, là. Putain, il a fait le jeu en 40 minutes, il est trop fort. Je regarde, hein. Voilà, c'est là. Il se chie dessus, quand même, Wei Long. Alors là, il est au 8, attends. Ok. Il a récupéré la dernière... Je vous le fais, hein, vous irez regarder de votre côté. Il a récupéré la dernière touche. Il met les touches sur l'ascenseur. Là, il entend du bruit. Putain, il l'ose... Oh là là... Oh, il a des couilles. Il a pas appuyé sur l'ouverture de la porte de l'ascenseur qui s'est retournée. Et les trucs, ils étaient là. Là, il ferme l'ascenseur. Oh, non, il essaye de passer le bras dans l'ascenseur. Il y en a un qui arrive sur le côté, il fait comme ça dans le... Oh là là! Oh là là! J'ai esquivé ça! Oh non! En fait, il met les touches. Il n'a pas encore appuyé pour ouvrir la porte. Il se retourne et il y a 5 pantins qui lui bloquent le passage. Ils sont là, ils le regardent, ils s'approchent, mais il a des couilles de fou. Il s'approche, il se passe rien. Il recule. Il ouvre l'ascenseur. Il se retourne. Il voit qu'ils sont toujours là-bas, ça va. Il appuie sur le bouton, les portes ferment. Et au moment où elles vont se fermer, il y en a un 6ème qui arrive sur le côté et qui essaye de l'attraper comme ça. Non, je vous montre pas parce que je sors pas du jeu. Vous avez pas compris ça? Je mets pas le jeu en pause. Je fais rien. J'ai trop peur. Vous irez le voir vous-même. J'ai trop peur. Parce que si je mets le jeu en pause, je vais avoir un jumpscare du menu pause. J'en suis sûr, ils en sont capables. monde sur téléphone. Mais oui, bien sûr, on va faire ça. Je vais vous montrer sur téléphone, ça sera plus simple. Pas du tout. Pas du tout simple. Bon, attendez, parce que j'ai la pub. Alors, les pupettes, là. C'est là. Ce jeu de fou. Je suis tellement content de pas l'avoir pris dans la gueule. J'aurais pété l'écran, j'aurais frappé devant moi, je l'aurais tué. Mais oui, je vais aller voir tranquille, mais il est fou William. Vous connaissez pas Wei Long? Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, je fais la pub pour ce gars depuis 10 ans que je fais YouTube. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je fais de la pub pour ce gars. Il fait que des jeux d'horreur. Il a plus de courage que moi, il est très drôle. Allez le voir... Il s'occupera mieux de vous, je vous promets, parce que moi là je ne sais plus quoi inventer pour faire passer le temps. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Oh. Oh. Là, c'est censé être pire que les pantins, d'accord? Mais non mais... Il faut que... Attends là, faut que je fasse des exercices là, c'est pas possible. Je sens plus mes bras, il n'y a plus rien. Je le sens. J'ai plus de sang dans les bras. Vraiment, j'ai plus rien dans les bras. Je sais pas ce que j'ai. Ah. Ah putain. Oh non, j'ai tapé dans la souris. Quel con. Ah. Désolé si vous trouvez que j'exagère ou que je me chie dessus, mais je me chie dessus. Je fais un blocage sur le jeu, j'ai tellement peur. J'y arrive pas. Mais il va se passer un truc dans un encadrement, il va y avoir un gros visage qui va me voir et tout. En fait, quand je repense à la meuf avec les yeux rouges, que c'était vraiment effrayant, je me dis, mais c'était l'étage 4, 3, ça c'est tout. Je vais crever. Ce soir, je meurs. Faut que j'appelle le notaire. Il faut que je fasse mon testament parce que là... Mais je peux pas le finir ce jeu. Je le finirai pas. Je vous le dis, je le finirai. On ira pas au 11. 8, 9, 10, 11. Oh là là. Putain, oui, il faudrait que je vous montre mon BPM. Oh putain. Enlève le plein écran. Ah ouais, peut-être que si j'enlève le plein écran, j'aurais moins peur. Parce que c'est vrai que vous vous rendez pas compte de la taille de l'écran. J'ai un écran 8K devant moi, j'ai une télévision devant moi. J'ai le truc, il est à même pas un mètre de moi là. Ah, c'est... C'est très grand. Je vais mettre en petit écran. Je peux pas faire autrement. J'ai peur. Je vais me mettre en pas plein écran. Ok, il n'y a pas eu de jumpscare pas plein écran. Et je vais me mettre en... Voilà, moi mes dimensions c'est 2560 sur 140, 1440. Et l'écran, Regardez, je vais garder la vitesse de mon doigt à la même vitesse, d'accord? En partant de mon nez, et vous allez voir quand mon doigt va sortir de l'écran, au bout de combien de temps je touche l'écran, je vous le dis. Là, j'ai touché l'écran. Ça vous aide pas du tout en fait ce que je viens de dire. Mais l'écran est énorme. Ah oui, voilà. Alors je prends les dimensions. Ça en longueur. Ça en largeur. Ça vous aide pas à visualiser? D'accord, il est vraiment très grand. C'est vraiment un écran qu'on est censé avoir plus loin. Mais j'ai pas assez de recul à... Regardez dans la caméra. Regardez l'écran dans la caméra. Vous le voyez? Change de sujet, je m'en fous. Vous le voyez pas du tout. Je sais pas si vous le voyez, mais il est trop grand. Voilà. Attendez, ah, je sais comment vous montrer. Regardez. Vous voyez, ça c'est l'écran du jeu, ça. Et ça c'est Nana. Oui, la taille de l'écran. Voilà. Ma main est en bas. Hop, 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 hop. Il est très grand. Et regardez, je tends le bras. Là, je touche l'écran. Mon bras est tendu. Mon bras est tendu, ça vous donne une idée de où est l'écran et à quel point il est grand. Je me prends ça dans la gueule depuis tout à l'heure. Ah bon, on va passer en 1920-1080p. Non, on va passer en 720p. Oui, on va faire ça. C'est très bien. Attendez. Ouais, ça change rien chez vous? Un peu plus flou, normal, le jeu est beaucoup plus petit. Du coup, à partir de maintenant, encore une fois, pour te donner une idée. Tu te rappelles quand il prenait l'entièreté de l'écran, le jeu? Tu t'en rappelles ou pas? Ben regarde maintenant ce que ça donne. J'avoue. Hein. Voilà. Tu le vois? La fenêtre, elle est toute petite maintenant. Elle est minuscule, on dirait mon sexe. Voilà. Comme ça, il y a tout ça de bordure autour. Où... Bon, je vais quand même avoir peur. Je vais avoir super peur, c'est certain. Oula, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va le chat? Ça va tout le monde? Il y a un problème? Ça a bugué, je crois que j'ai mal capté. Je suis passé sous un tunnel, là il y a eu une interférence, non? Il y a eu une anomalie. Je sais pas. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Bug sonore? Ouais, ça arrive. C'est le micro quand je tape sur le bureau, ouais. J'aimerais bien être Luffy dans One Piece. Comme ça je pourrais jouer de là-bas avec les bras extensibles. Et comme je suis myope, hop là, je vois rien. Je subis pas les jumpscares. Merci Pugarde pour les 17 mois de resub. Merci Babayou pour les 7 mois de resub. Merci Arashi02, je l'avais lu. Je voulais faire durer plus le temps avec les subs, mais non, je l'avais lu. Allez Farod. Ouais, je sais, je vous fais attendre de ouf. Je le sais, mais... Franchement, je suis à 101% là. Ben, en fait, j'ai pensé à loucher discrètement sans que vous le voyez. Surtout que je suis pas face à vous, je suis comme ça, donc vous le verrez pas si je louche. Mais c'est pire parce que du coup, si il se passe peut-être quelque chose à l'écran, je vais être pas sûr de savoir ce qui se passe, surtout si je dois m'enfuir. T'imagines pas la galère. Si je louche, je vois rien. Bon, c'est quoi à votre avis les monstres ici là? Avant c'était des pantins, c'est quoi? C'est des canettes qui nous attaquent? Quel connard le jeu. Tout est ouvert, d'accord. C'était pas ma facile, j'ai rien pu faire. C'est pas ma facile, j'ai rien pu faire. Parce qu'ils sont morts. Oh non, c'est le monstre de... Oh non! Oh non! 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 Oh non! Je veux pas revoir sa tête avec ses yeux rouges. Je vous en supplie! Non! Tout le monde a disparu à cause d'eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de leur faute. Je suis bloqué. Je suis softlock, je peux rien faire, je peux ni me retourner parce que la porte va s'ouvrir, je peux ni me retourner parce que la porte va s'ouvrir, je peux pas ouvrir la porte sans me retourner, je suis bloqué. Je suis bloqué, je suis full bloqué, le jeu est niqué, le jeu est softlock, bug, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais derrière moi, je vais en face de moi. J'essaie de rallumer la lumière. Mais me retourner vers la porte insinue que je dois tourner le dos à ça, à la fille qui pleure là. Ah, mais pause au cas où. On voit rien du tout. La strat est morte, on voit rien du tout. Je sais pas quoi faire. Le truc c'est qu'il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté de la porte. Il faudrait que je regarde à la fenêtre s'il y a quelqu'un en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas les couilles. Et je vais ouvrir la porte, je vais me prendre la porte dans la gueule en plus de ça. Oh, je vais me prendre la porte dans la gueule. Et oui, elle s'ouvre vers moi. Tu vas voir que je vais rien voir. L'autre elle va sortir de derrière la porte à ce moment-là. On voit rien du tout à travers le... Oh, j'appuie sur quitter. Oh non, trompette. Vraiment pas de chance. J'ai envie de m'avancer. Mais vraiment pour la culture quoi, j'ai envie de m'avancer. Et pourquoi je chercherai à allumer la lumière? Mon but c'est de les éteindre. Non mais j'ai trop peur de ce que le jeu peut me faire faire. Et j'ai trop... Je sais pas ce qu'il va y avoir et j'ai trop peur. Les gars, j'ai tellement peur. Mais je suis tétanisé par la peur, je sais pas quoi faire. Ça va s'ouvrir d'un coup. Quand je vais m'approcher, je le sais. Je peux pas aller plus proche. Bon, ça s'allume pas. C'est pas par là. On peut l'ouvrir cette porte? Je sais. Oh putain, oui, je peux l'ouvrir. Si je m'approche plus, je peux faire un truc. Je peux parler ou l'ouvrir ou j'en sais rien. C'est trop chiant. J'ai chaud. Pourquoi on croise plus personne à renvoyer chez eux là? Hein? Pourquoi? C'est trop chiant. Attends, c'est quoi? Merde! Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas le bon bouton. J'ai pas encore fini de patrouiller. Merde, on peut pas le faire comme ça. Et bien sûr qu'il va me dire qu'il y a un truc paranormal. Ah bon? J'ai fini de patrouiller. C'est bon. C'est bon. sera plus simple de passer par là-bas, comme ça j'aurai pas besoin de me retourner. Je vais me coller. Oh putain! Je crée des trucs qui font peur moi-même. Non mais attends, il a pas fait assez peur là cet étage, hein. Ça va nous tomber sur la gueule, hein. Ça a pas fait assez peur pour l'instant. Il va se passer un truc là. Ah, je l'ai raté. Je transpire tellement. Vous imaginez pas. Il y a quelqu'un dans l'ascenseur, c'est sûr. Non? Ok. Je m'en bats les couilles, je regarde pas. Ça fait pas assez peur cet étage. C'est bizarre, j'ai loupé un truc où... La blague. Il y a de l'eau partout sur le clavier. C'est l'étage entre deux. Je suis obligé de m'enlever le pantalon, je suis désolé. J'ai trop chaud. Je me mets en calbute, j'en peux plus. Je crève de chaud là. C'est fou. Putain, j'ai l'impression de streamer en plein mois d'août. Ah, il y a eu du bruit. Ah, il y a le chien. Eh. Non? C'est quoi cette porte de bruit qui fait ferme? Eh. Vous voulez que je vous mette dans une condition qui vous fait encore plus peur à vous, pour que vous puissiez imaginer à quel point moi j'ai peur? Vous voulez que je vous mette en condition? Ouais? Bah ça va être très simple. Je vais couper deux choses. La première, c'est mon micro. Alors, ça fait pas peur quand il n'y a plus le streamer qui fait des blagues là et qui essaye de... Hein, Alors, ça fait pas giga trop peur? Alors, ben moi ça allait, j'avais moins peur du coup. Parce que je sais que vous me voyez pas, alors j'étais comme ça. J'ai joué, tu sais, ah non, je veux pas. Ah, ça fait peur. Et encore. Je pourrais faire ça. Non. Non, hé, hey, rallume-toi. Oh putain, waouh. Non. Bon, il y a une chaise qui tourne. Et sur l'écran de Star, je sais pas ce que c'est qu'il y a. La blague ou net. Et genre là, il n'y a pas... d'anomalie, vous êtes sûr? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une chaise. Ah, c'est une chaise renversée, d'accord. Bon, ben la salle est vide, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de bizarrerie, on est d'accord. Mais je vais rentrer dedans et il va y avoir quelqu'un. Le jeu, il m'a dit ta gueule. Le jeu, il m'a fait t'es. Allez, t'es, viens, viens voir si on y est. Le jeu, il a fait frérot, tu parles trop là. Porte tes couilles et viens. Il a pété! Il a fait un gros prout! Il a pété. Il a fait un pété. Mais quand je vais appuyer sur le bouton rouge, je sais qu'il y aura quelqu'un sur la chaise. Je le sais. C'est plus qu'évident. Le jeu t'oblige à regarder d'un côté. Attends, il y a quoi à la porte là-bas? Attends, il y a un truc à la porte où je rêve. On voit rien du tout. On voit rien du tout. J'ai mangé un jumpscare P. Mais bien sûr que... Oh là là, mais bien sûr... C'est la fin du jeu! Ah, je me retournerai jamais! Qu'est-ce que je fais? Mais ok, on entend la chaise, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui tourne dessus maintenant. J'appuie. Wesh, arrête le jeu, fais pas ça. Je vais attendre que la porte elle se ferme toute seule. J'ose pas y aller. Oh, 1/4. Oh putain, c'est quoi ça? Quoi? Bah, jamais j'y vais, en fait. Mais j'y vais pas du tout là-dedans. Non. Pouh, il reste les toilettes et l'autre pièce. Elle s'est déplacée là. Elle s'est déplacée ça. C'était pas placé là. Les gars, j'en peux plus. J'en peux plus du jeu. J'ai crevé. J'ai vraiment crevé de peur. sera debout. Ouais? Ouais, c'est Greg. Merde! Je me suis endormi! Il est déjà si tard! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu reviens encore et encore? Tu es toujours là à chaque fois que je me réveille! Tu étais là pendant tout ce temps? Peu importe. Sais-tu où se trouve mon patron? Est-il déjà parti? Ce maudit harceleur de pouvoir a dit qu'il ne quitterait pas avant que tous les autres partiraient. Je m'en vais aussi. Oh, 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 pars pas sans moi. Attends, non, je vais plutôt passer par là-bas. Ce sera plus stratégique, plus... La méta, elle propose... Ouais, non. C'est plus mieux de faire comme ça. Oh, il est parti tellement vite. C'est allumé. Putain, c'est vraiment allumé. Oh, mais vas-y, il y a tout qui est éteint. Et ça, c'est allumé. J'ai peur. Oh, putain, c'est horrible quand ça fait ça. Et... À chaque fois qu'on va dans ces toilettes, il se passe un truc, hein, on est bien d'accord. Hein. J'ai tout fait. Il n'y a pas eu la musique. Pourquoi il n'y a pas eu la musique? Pourquoi il n'y a pas eu la musique? Pourquoi il n'y a pas eu la musique? J'ai fait les 4 portes, j'ai fait les toilettes. Il y a quoi là derrière? Il y a quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas eu la musique? On dirait que les interrupteurs de cet étage ne fonctionnent pas. Je vais monter par la sortie de secours. On rappelle qu'il y a toujours un chemin chelou. Je sais plus où il est exactement, mais... Ouais, là, regarde, il y a un chemin très chelou, là. J'espère qu'elle n'est pas là-bas, sortie de secours. C'est verrouillé. Ok. Donc, faut que j'aille là, quoi. J'ai les larmes aux yeux. C'est tellement serré. Ça va nous sauter à la gueule. Non mais là c'est trop. Chut. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? J'appuie, je me retourne, je suis mort. Enfin, arrêt cardiaque dans la vraie vie, je veux dire. J'appuie, je me retourne, arrêt cardiaque dans la vraie vie. Non, c'était comme ça le chemin? Mais je suis arrivé de là, non? Pourquoi le chemin a changé? Attends, c'était ça le chemin? On dirait que le chemin a changé, non? Hein? Quoi? Les gars, je suis à mon max là. Je suis à mon max, je pourrais... Je suis à mon max de la peur là, je peux pas faire mieux. En plus, ce qui me fait peur, c'est que c'est ce couloir là avec le truc au fond. Je pense que c'est le seul moment où je suis tranquille, donc je vais avancer pour appuyer. Et c'est là qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Ah. Ok, ok mec. Je fais quoi? Je fais quoi? Je passe à côté ou je pars? Je meurs? Je me tue la vie? Je sais pas. J'ai chaud aux joues. Que faire? S'il vous plaît. Pitié. Vous connaissez le jeu, dites-moi, est-ce que je dois passer à travers? Ou est-ce que je dois revenir en arrière et chercher un autre chemin? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Dites-moi ce que je dois faire. Je le fous. Tant qu'on m'a pas spoil, je le fais pas. Vous savez pas? Oh non. Personne ne sait. Quelle horreur! Il a moonwalké! J'hallucine qu'il ait fait ça! Il a pété en même temps! Il a fait... Hop là! C'est le prout-prout! Il est parti en arrière, il est complètement fou le jeu! Quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pas par là. Ah, j'avais oublié que c'était pas par là. putain, je crois que j'avais... Je croyais que c'était un temps de chargement. C'est trop fort de nous faire monter les escaliers. Et donc ça c'est l'étage suivant. Et du coup... Non, le jeu me punira si je monte, je le sais très bien. Non mais... Oh non... Je t'ai une pute de faire ça. Ouais... Ah d'accord... Non. Mais pas du tout. Ou il y a une anormalité enfin. Mais je me demande pas de quoi tu parles. Genre il y a personne d'assis sur une chaise à l'envers là, ça aurait été fou ça. Pas d'anormalité enfin, monsieur le jeu. C'est très éclairé, hein. Un plaisir. Le pire, c'est que j'ai la sensation que le jeu, il sait comment je réfléchis. Le jeu, il sait comment je vais me placer dans le jeu, comment je vais me déplacer. Et il met les jumpscares en fonction de ça. Je le sens qu'il fait ça exprès. Et je te jure, ça marche trop bien. Mais s'il y a bien un endroit qui fait peur dans les jeux d'horreur, c'est les chiottes. Mais là, ils ont surpassé tout le truc, là. Non mais... Oh, ouais, les couleurs, là. Non mais c'est trop... Pourquoi la porte est fermée? Ah non, elle est pas fermée. Attends pour moi. Putain. Oh, j'en peux plus, là. J'ai trop peur de voir le truc avec les yeux rouges là juste devant moi, tu sais, en encadrant la porte qui m'attend. Ah, attends. J'ai pas loupé une porte à un moment donné là, à fermer? Celle-là, non? J'ai fermé les deux? Hein? J'ai fermé les deux portes là? Ah non? Attends, quoi? Elle est où la deuxième? Et celle des chiottes? Ah, elle est là. Comme ça, c'est fait. Non, ce bruit, j'ai pas confiance. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un. Je prends l'ascenseur ou la porte là-bas, à votre avis? L'ascenseur? Il va y avoir quelqu'un dedans. Il va y avoir quelqu'un dedans. Il va me pourchasser. Je vais me retourner et il y aura un autre quelqu'un derrière moi. Hein? Attends, on est à l'étage quoi là? On va où là? On va au 11? Oui, tous les jours non? Ouais bah les enfers quoi, vas-y, balance hein. Oh le bruit. Wow, waouh. Je suis bien content de pas savoir bien parler japonais parce que... je saurais ce qu'il y a écrit, ça ferait peur j'imagine. Cliché du jeu d'horreur. Un long couloir avec au loin un objectif, tout droit, tu peux aller que tout droit, et tu n'atteindras jamais cet objectif. Soit il y a un jumpscare avant qui coupe le jeu, soit tu tombes dans un trou. Mais c'est chiant parce que j'ai besoin de mes deux mains pour jouer, mais sinon j'aurais joué comme ça, tu vois. Oh, il y a un visage dans la télé. Je répète, allô, 1, 2, 1, 2, il y a un visage dans la télé. Est-ce que c'est bien reçu? Mais c'est hyper flippant. Imaginez, je me retourne d'un coup sec, là, maintenant. T'imagines ou pas? Je le ferai pas, évidemment. Sauf si je donne un coup sans faire exprès dans ma souris, ce que j'ai failli faire à l'instant même. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger, je répète. Je peux plus bouger. Elle recule, elle est derrière moi. J'ai des frissons aux cheveux, c'est pas normal. On peut pas ressentir ça normalement. Putain, c'est l'étage 11. Je croyais que c'était que ça, l'étage 11. Je pensais que c'était fini. Ah non, non, non. Il ne fait que commencer. Oui, je vais là-bas. Évidemment que je vais là-bas. Bien sûr. C'est un putain de labyrinthe de mes couilles en stock. Il n'est pas allumé. Il y a une anomalie. Je repars par là où je suis venu. Ouais. Ah, je crois que c'est bloqué. C'est quoi ça? Hein? Obtenu un couvercle taché de sang? Je pense pouvoir nettoyer cette tache. Tu me chantes là? Qu'est-ce que tu me racontes, mec? C'est quoi cette histoire? Tu nous fais quoi là? Hein? Quoi? Autant qu'à faire, autant aller dans l'autre salle, hein. Quelqu'un? Oh putain, il y a du sang qui sort de ce casier. Hein. Oh putain, c'est compris que... Oh putain. C'est quoi ça? Pas de câble. Il y a des traces de pieds qui viennent du casier. Coffre fort. Je l'ai pas. Oh mon dieu. Oh, je suis crevé. Je dois ouvrir ça, mais non, ça va être horrible. Merci de fermer le casier. Rien n'apparaît. Ah ouais, énorme. C'est fou, hein? J'ai tellement chaud à la tête. J'ai tellement chaud dans ma tête. Je cherche quoi? Un code? Pour le coffre-fort? Quoi? Mais depuis quand on peut faire ça? J'ai lavé le sang du couvercle. Ah! Il y a deux lignes tracées dessus. Je crois qu'il allait avoir un flashback ou je sais plus quoi là. Il y a deux lignes tracées dessus. En mode... Putain! T'es con le jeu! T'es trop con! Putain, je crois qu'il y avait un visage dans le miroir. Oh, je le ramène là où je l'ai trouvé, le couvercle, alors. Mais c'est sûr qu'il y aura un truc, là. Attends, il y a des zéros. Il y a des zéros partout, c'est génial, ça. Hein? Il y a des zéros partout. 9, 6. Le petit... 9h6, 4... Ça fait... 9h30 ou 21h30, putain faut que je pète là, je coupe mon micro. Je pète de peur, j'en peux plus. 9-6. Oh. Ou alors... Ça attend 9h, ouais c'est 21, c'est ça? 21h... 30... Merde. Il faut que j'appuie sur échappe pour que ça fonctionne ou pas là? Ok. Et il y avait des zéros. Ah! Attends, 9... Ah d'accord, oui c'est ça, c'est 90 alors! Attends, il était où le 0? Il était... Attends, bah, de toute façon, je vais tout essayer. Donc 90... 30? Attends, c'est ça? Non, 60? 30, c'est à droite. 86, 60. Ou alors le 9... Attends, il était où le 9? Il était placé où le 9? Il était à gauche ou à droite du 0? Ce qu'il faut, c'est 0, 9... Et 60? Putain, attends, je l'ai plus en tête. Après, c'est peut-être 69? Enfin... 60... 90? Ouais, génial, je suis ravi. Évidemment. Ça s'éclaire de plus en plus. Non? Oh putain, je vais me le manger dans la gueule. C'est chez moi, ça, la porte. C'est là où je suis. C'est là où je suis. C'est l'ordinateur avec la cassette. Non? La porte est ouverte derrière. Il y a les casiers à gauche. Ne m'arrête pas là, s'il te plaît. Ne me remets pas dans le jeu, je t'en supplie. Ne me remets pas dans le jeu, je t'en supplie. Oh, sa mère. Oh, ah, je peux plus rester ici. Ah bon, couillon. Sortons d'ici. Mais quel con. Mais quel connard. LOL. Ah, je me suis fait avoir, quoi. Sans me déconner. Y'a aucun code. Enculé, y'a pas de code. Oh non, c'est la mauvaise fin. Il fallait une fin avec un code. Oh non, je suis sûr qu'il fallait trouver un code. C'est pas pour rien qu'ils aient mis, qu'ils ont mis un truc au mur. Il y a un code à trouver quelque part. Je pense qu'il y a différentes fins à mon avis. Et ça, c'est la mauvaise fin. Quand t'essaies de t'échapper par les escaliers, tu te gourres. Oh putain. Et genre, il faut se retaper tout le jeu là pour avoir l'autre fin. Tu mens. C'est sa fin numéro 1. Ah, dis-moi que tu me remets juste au moment où je me suis fait tuer, s'il te plaît. Ah, c'est revenu en arrière en mode on recommence là. Putain. Je pense qu'il aurait fallu... Ça se joue. Ça joue tout seul. Fin numéro 1. C'est-à-dire quoi ça? Il est revenu en arrière et en fait il sort de la voiture et il y va pas? Ou alors c'est juste parce qu'il est parti, il est passé à droite et moi le joueur je suis passé à gauche et en fait il y va et c'est ça. Continuer. Ouais mais mon ref là. Ouais mais je dois me tourner. Bon c'est pas grave, en soi c'est pas très long maintenant que je sais ce qu'il faut faire. En fait, il n'y a pas de... Pas de porte à condamner, au final. Tout ça. Donc ça, je vais le nettoyer aux toilettes. Je le remets. Bien que j'ai le code, au final. Mais j'imagine que c'est scripté. Il faut d'abord remettre l'horloge. Avant de pouvoir... Ouais, je sais que je connais le code. Mais je prends en compte le fait que c'est potentiellement scripté. Qu'il faut d'abord remettre l'horloge au mur pour que le jeu accepte qu'on puisse mettre le code, tu vois ce que je veux dire? Sinon, troisième game over, le jeu il me punit parce que j'ai triché, je connaissais déjà le code, tu vois, c'est pas impossible qu'il me fasse un coup comme ça. Eh tu vois, 90, 60, ouais. Merde, c'est vrai, putain. J'avais oublié ça. Oh, faut se remater la vidéo qui fait trop peur là, vraiment. Faut se la remater depuis. On peut pas la skipper. Non, moi je pense que le code il apparaît. Il apparaît après la cinématique, il apparaît pas avant. Hein. Alors c'est bien foutu. Hein. Ouais, on peut pas skipper. Bon, c'est pas grave. Merci Flowser pour les 8 mois de resub. Merci Tinky Winky Shiro pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci Lolia429 pour les 3 mois de resub. Merci Koshina26 pour les 3 mois de resub. Merci Inès Derache pour le sub. Merci Pugarde pour les 17 mois de resub. Merci Babayou pour les 7 mois de resub. Oui c'est ça, on va devoir taper le code en ayant l'autre derrière. Mais le truc c'est que le code on le connaît pas. Alors soit il faut taper tous les codes qu'il y a au mur qui sont barrés, j'espère qu'il y en a un qui marche, lol. Soit il faut chercher un autre endroit dans le jeu où est-ce qu'il pourrait potentiellement y avoir un code quelque part écrit sur les murs. Mais par contre quand je me suis fait tuer il n'y a pas eu de jumpscare. Alors soit j'ai fait bugger le jeu, soit il est censé y avoir un jumpscare et là on va avoir très peur parce qu'on va se faire avoir par le jumpscare du coup. Après, on en parlera du jeu. Après, je vous demanderai c'était quoi votre étage qui vous a fait le plus peur et tout. On en parlera après, d'accord? Ouais, mais je comptais aller dans la salle avec les tableaux, ouais. Je comptais l'enfermer derrière moi, faire un demi-tour. On va faire ça bien. Ça fait trop peur quelqu'un qui court comme ça. Oh là là, mais quelle flip cette image! Oh! Quelle flip! C'est horrible! Pas fermé, ok, on peut pas fermer. Y a-t-il un code quelque part? Non, 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 non. Non. Où t'es? Oh putain, j'ai peur. (4, 1, 2, 1). Oh, on va se faire niquer. Ok, c'est un code à 3 chiffres. Vas-y, viens, 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 on repart. Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un code? Ah, ah tu m'emmerdes là. Non, là tu... Ouais, quoi que... Ouais. Non, si tu m'emmerdes un peu. Putain, ça va être super long. Ça va être super long, ça va être super chiant, ouais. On voit que dalle. Je vais être bloqué, je vais être bloqué. Waouh, 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 waouh. Allez, c'est bon. Eh? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut plus aller dans les chiottes? Ok, d'accord. Oh, le chat, vous l'avez pas le code des fois, s'il vous plaît? Eh, vous l'avez pas? En vrai, donnez-moi le. Donnez-moi le, s'il vous plaît. J'en suis plus, donnez-moi le, je veux pas. Je vais me tuer. C'est bon, je vais mourir. Tout simplement. 10, 23? Ok, ça marche. Énorme, mec, c'était vraiment trop bien, je me suis régalé. Alors ça fait quoi? Ça fait quoi? J'espère qu'il attrape pas à travers les murs, hein, cet enculé. l'ascenseur? Je tente. Ah oui, c'est ça. Et alors? Du coup, ça se trouvait où le code, du coup? C'était quoi l'astuce? C'était écrit quelque part? Parce que j'ai pas trouvé. Putain mais... Tout n'est que tromperie en fait. Tout cela était un rêve. Je vais me manger un jumpscare final. Hein. Oh, il y a une tête qui va apparaître à la fenêtre ou quoi. Date d'anniversaire. Oh putain. Oh là là. Oublié complet. 23 octobre. Ah, t'es qui toi? Ah, arrêtez. Je ne veux pas vous voir. J'ai trop peur. Je vous connais pas. Cassez-vous. Je veux pas. Ah, c'est son anniversaire 23-10. Putain, c'est vrai. Non. Mais pas toi. Mais quel jeu de fou. Mais quel jeu de dingue. Mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais quel jeu de dingue! Oui, c'est la fille qu'on a croisée à l'étage qui voulait notre numéro. Alors c'est quoi l'histoire? Vas-y, on devine. L'employé de bureau, il a eu une relation sexuelle avec cette femme au bureau. Et du coup, il s'en veut parce qu'il a trompé sa femme et son enfant. Et du coup, ça le hante. Et ça le poursuit même dans ses cauchemars. Il s'en veut à vie. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est quoi le... C'est quoi là? Oh là là, putain, mais c'est pas possible. Oui, je quitte le jeu, évidemment. Et le jeu, t'as pas intérêt à te lancer en secret pendant que... Ouais, tu fais pas des jumpscares comme ça. J'espère que tu joueras aux autres jeux du développeur, ils sont tout aussi excellents. Ils font aussi peur. Oh, je sais pas si je peux, moi, hein, s'ils font aussi peur. Là, vraiment, j'ai deux... Franchement, j'étais persuadé que je le finirais pas déjà. J'étais persuadé que j'arriverais pas à l'étage 11. Et... Ah, tu crois que c'était l'infirmière qui l'entendait pendant qu'il était dans le coma? Pour moi, il y a une histoire entre la femme et le gardien. Et la femme a appris pour la famille du gardien. Et elle s'est suicidée au travail. Et il est revenu sur le lieu du travail. Et il a vu son fantôme. Hein? Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Il a trompé sa femme et son enfant, genre il était en couple avec sa fille. Oui, c'est évidemment ce que j'ai voulu faire comprendre, bien sûr. C'est pas du tout, il a trompé sa confiance, trompé n'a qu'une définition, bien sûr. Tu l'as fait, GG, merci. Tout au long du tournage, vous pourrez trouver des téléviseurs qui semblent montrer des souvenirs liés aux fantômes qui hantent le bâtiment. Le fantôme semble avoir été une sorte de chef de bureau qui a commencé à avoir une relation avec Ochigi, l'ancien agent de sécurité qui a disparu. Elle a dû mourir avant qu'Ochigi ne disparaisse, étant la coupable de sa disparition. Une fois qu'elle apprend qu'une nouvelle femme l'a remplacée, en devenant la petite amie d'Ochigi, elle se venge d'elle. Oh là là là, vraiment je suis à deux doigts de vraiment m'écrouler et de m'endormir là. Trop de pression pendant 2 heures là, 2 heures et demie. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Ah, c'est la seule position agréable là pour moi. Ah, alors c'était quoi l'étage qui vous a fait le plus peur en vrai? Moi j'ai eu trop peur de la fille aux yeux rouges la première fois qu'on l'a vue à travers la toilette. J'ai eu trop peur de l'étage des pantins. Ah les pantins c'était horrible. Ouais c'est ça les étages qui m'ont fait le plus peur. Ouais c'est clairement ça. Celui des pantins m'a terrifié. Après les pantins ça allait, tu vois les autres ils allaient bien, mais celui des pantins, ils auraient dû le garder en 10e étage, hein, celui des pantins, sans déconner. Bravo à toi Farod, t'as tout mon respect honnêtement, je sais pas si j'aurais été jusqu'au bout lol. Moi non plus je sais pas si j'aurais été jusqu'au bout. Si t'avais eu le jumpscare des pantins à l'ascenseur je serais morte. À qui le dis-tu? Les yeux rouges la première fois, ça fout dans l'ambiance. Ah ouais, dès les yeux rouges, j'ai compris dans quel jeu on était. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le temps de voir un de tes lives en direct. Habituellement, je regarde les rediffs en x2 sur YouTube. Je dois avouer que ça m'avait manqué. En plus, le jeu était trop bien. Et j'ai fini d'écrire ce que j'avais écrit. Bref, une excellente soirée. Bah, je suis ravi pour toi, vraiment. Imagine un pantin derrière toi, Farod. Ah! Alors, on va aller sur Steam. Ça s'appelle... Oh là là, mais quelle horreur ce jeu. Night Security. Le jeu... pardon, le développeur... Il a fait... Oh mon gars... Oh, un... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En comptant celui qu'on a fait ce soir, le développeur a fait 19 jeux. Pardon, je crois que vous m'avez pas entendu, je répète. Le développeur a fait 19 jeux dans le même genre. Un par mois, on en fait un. Dans un an et demi, on y est encore. Mais je vais crever. Mais ça va me tuer. Ça va m'enlever mon espérance de vie, c'est sûr. Ça me demande trop de battements de cœur, là. Trop de stress, trop de... Je vais faire un ulcère ou un AVC ou un infarctus sur place. C'est pas possible, un arrêt cardiaque. Plus que 18. Ah ouais, au calme. Plus que 18, qui l'a dit. Et plus que 18, enfin, c'est bon. Ils sont tous super intéressants. Ah ouais? C'est vrai? Ah, vous, il y en a qui connaissent les autres jeux? Ils sont bien, ils font peur. C'est quel niveau de... J'ai pas le mot en tête, merde. Quand tu fais du mal aux gens avec, avec du plaisir, tu vois. C'est quoi le mot déjà? C'est quoi le mot? Sadisme. Exactement, merci. C'est quel niveau de sadisme pour prendre du plaisir à faire ce genre de jeu? En mode, ah, je vais placer un pantin ici, là, je vais mettre un jumpscare, là, ça sera bien sombre et tout, là, je vais mettre un gros bruit, là, je vais mettre une... Oh là là, ils vont avoir trop peur, là. Un jeu, un an de ta vie en moins, mais c'est ça. 19 jeux, 19 ans de ma vie en moins. Si je devais... Normalement, je devais... Enfin, il était prévu que je meure à 69 ans. Toi-même, tu sais. Bah, du coup, je vais mourir à 50 ans. Trop bien. Ça vaut le coup. À la nuit, c'était nul, mais non, c'était incroyable. Ils sont trop forts. Mais vraiment, l'ambiance du jeu était horrifique. Effrayante. Mais quelle... J'en baille de peur, hein. Il faut que, si vous regardez d'autres streamers, il faut que vous leur demandiez de jouer au jeu. Hein. Faut que vous incitez d'autres gens à jouer, d'autres streamers à jouer à ce jeu-là. Faut qu'on ait plus de reacts sur ce jeu. Faut qu'on voit plus de... Mais maintenant, je vais aller me regarder Wei Long, qui a fait la vidéo sur ce jeu. Je vais aller regarder Amine et Billy, qui ont fait la vidéo sur ce jeu. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres Français qui l'ont fait. Mais vraiment, ça... Mon cœur ne se calme pas. J'essaie de parler doucement et tout. J'ai eu trop peur. J'ai rarement... C'est peut-être dans le top 5, voire le top 3 des jeux qui m'ont fait le plus peur de toute ma vie. À moins que ce soir, j'ai été plus sensible que d'habitude pour je ne sais quelle raison. Mais non, vraiment, il y a une ambiance, une atmosphère, une crainte. Le concept des nouvelles étages, ça va faire forcément plus peur que le précédent. Et on le ressent de ouf, du 3 au 4 au 5. Puis, la caméra là. Et puis, le 6, vraiment, tu le ressens. En mode, tu te dis, waouh, ça peut pas faire plus peur. T'arrives au suivant, ça fait plus peur. Tu te dis waouh, ok, là ça pourra pas faire plus peur. T'arrives au suivant, ça fait plus peur. C'est trop bien fait. C'est limite inspirant, tu vois. Limite ça donne envie de faire des jeux d'horreur juste parce que ça t'a fait vraiment ressentir la peur à l'état pur. J'étais pas bien quand je suis allé m'asseoir là-bas tout à l'heure. C'était pas en mode oh lol la blague, il va s'asseoir en arrière-plan. Non vraiment, je savais plus quoi faire en fait. Et je savais, je vous le disais pas, mais j'étais apeuré, je perdais mes moyens, c'était horrible. J'étais vraiment trop mal. Et c'est trop fort, hein. C'est trop fort comme sensation. Et là, j'étais au fond, là. Ah, le niveau des pantins, il m'a terrifié. J'ai mangé un pantin, là, dans l'encadrement de la porte. Il m'a tué, j'ai perdu mon âme à ce moment-là, c'est fini. Je n'ai plus d'âme. Oh. Merci Rox Fromage pour les 4 mois de Rissum, merci Itsako pour les 3 mois de Rissum, merci Flowser, je l'avais lu pour les 8 mois. Je suis désolé. Vraiment, à partir de ce soir, il n'y aura plus la récompense que vous pouvez acheter mon âme. Elle n'est plus à vendre. Je ne la possède plus. C'est vraiment fini. Et demain, quand on va streamer, enfin je stream pas lundi soir, mais mardi quand on va streamer, elle n'y sera plus la récompense. À partir d'aujourd'hui, 19 novembre 2023, la récompense n'est plus. Je ne peux plus vous l'offrir, je suis désolé. Je ne l'ai pas. Je suis désolé, je l'ai perdue. Vraiment. On a vécu un truc ensemble ce soir. Oui, vous pouvez dire j'y fus parce que vous y étiez. C'était. Waouh. Point de chaîne. Récompense. Je t'offre mon âme, qui était la récompense la plus chère. Supprimer. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Elle est supprimée, ça y est. Ah oui, je l'enlève vraiment, je n'ai plus d'âme. Je veux pas vous arnaquer. J'ai pas pu. J'ai perdu mon âme. J'ai plus rien là. C'est fini. C'est terminé. C'est voilà, c'était ce soir. Ça a duré pendant 4 ans. Qu'elle était en... Personne l'a achetée. Ben, plus personne pour l'acheter. Vous pouvez essayer de la chercher par contre. Elle est forcément quelque part, hein. Essayez de la trouver. Faites vos recherches. Mais là, moi, je le sens. Il manque un truc en moi. Ce soir, il y aura eu un avant et un après ce stream. Je suis plus le même, je te jure. J'ai changé. Allez, on va couper la rediff. Au revoir YouTube, à bientôt. Bye bye. C'était le jumpscare.